J'en pleure encore, Mimi Mati évoque l'un des membres de la troupe des Enfoirés. Elle ne s'y attendait pas. En faisant son retour dans les Enfoirés, Mimi Mati ne pensait pas être honorée par ses camarades qui lui ont préparé une, très, jolie surprise. C'était magnifique, j'en pleure encore, a-t-elle confié. Une cinquantaine d'artistes ont répondu présents. Amel Ban, Michel Larocque, Julien Clerc, Patrick Fiori, Jean-Louis Aubert, Jane Birkin, Vita, Garou, Christophe Maé, Carla Bruni ou encore Amir se sont réunis en janvier dernier pour enregistrer l'édition 2023 du Concert des Enfoirés. À la Halle Tony Garnier, à Lyon, qui sera diffusée sur TF1 vendredi 3 mars. Si Michael Youn n'a pas pu être présent malheureusement. Je devais terminer mon film, donc je n'ai pas pu y participer, et à chaque fois ça me fend le cœur. A-t-il confié, plusieurs petits nouveaux ont rejoint la troupe, la chanteuse Mantissa. La comédienne Sophia Essaidi, le rugbyman Antoine Dupont, le pilote Esteban Ocon et le danseur étoile Germain Louvet. Mais, le véritable événement a été le retour de Mimi Mati, membre emblématique des Enfoirés. Elle n'avait pas pu participer à l'édition 2022 car elle se remettait d'une lourde opération du dos. Alors, pour son retour, les Enfoirés lui ont préparé une belle surprise. « Je ne savais pas du tout ce qui m'attendait », a confié Mimi Mati dans l'émission Grand Reportage sur les coulisses du concert caritatif. Diffusée sur TF1, dimanche 26 février, et d'expliquer qu'elle pensait chanter « Je l'aime à mourir ». De Francis Cabrel, avec Laurie, Patrick Fiori et Patrick Bruel quand tous les autres membres de la troupe ont débarqué sur scène pour la surprendre. Le prompteur défile et tout à coup je vois des paroles en vers qui d'habitude sont là pour les chansons collégiales. A-t-elle raconté? Je me dis ils ont changé un truc, ils auraient pu me le dire et je vois les paroles apparaître. Derrière elle, la troupe, arborant des t-shirts à l'inscription « I love Mimi » entonne le refrain réécrit pour elle. « On mérite tout d'avoir cet hommage, c'était magnifique, j'en pleure encore », a-t-elle avoué. Et d'ajouter, « On dit souvent qu'on a la famille qu'on a et la famille qu'on se crée. » Point et les Enfoirés, pour moi, c'est une super famille et elle n'oubliera jamais cet honneur.